Bonsoir et soyez les bienvenus pour ce nouveau Fort Boyard version 2006. Et ici, vous le savez, quand on parle de nouveautés, ce ne sont pas des paroles en l'air. En effet, outre les nouvelles épreuves, les nouvelles aventures et le nouveau règlement, vous aurez l'occasion de découvrir un nouveau visage auprès de moi, celui d'Anne-Gaël Richaud. Bien. Allez, puisqu'on parle de nouveautés, faisons tout de suite connaissance avec notre nouvelle équipe du jour. Et aujourd'hui, je reçois des habitués, non pas du fort, mais de la compétition, du chronomètre et des défis, puisque nous avons le plaisir d'accueillir une équipe de champions olympiques. Avec Florence Bavrel, médaillée d'or dans l'épreuve sprint de biathlon des Jeux Olympiques de Turin. Vincent Vitoz, vainqueur du championnat du monde 2005 de poursuite en ski de fond. Sandrine Bailly, médaille de bronze au relais 4 x 6 km au JO de Turin. Roddy D'Aragon, médaillée d'argent dans l'épreuve sprint en ski de fond. Sandra, médaillée de bronze en ski acrobatique. Et enfin Mehdi Raoui, secrétaire national du Conseil de la Jeunesse. Passe-partout, passe-temps, ouvrez la grille. Ça va? Allez, suivez-moi. Salut, bonjour. Hop. Bonjour. Eh bien, ça y est, vous y êtes. Bienvenue à Fort Boyard. Yes. Alors, petite visite guidée. Au-dessus, vous avez les cellules. En dessous, les cachots. Espérons que vous n'aurez pas à les visiter. Derrière vous, la salle du trésor avec, bien sûr, les tigres pour vous accueillir. Ils sont bien calmes pour l'instant. Hein. Et puis, alors, plein sud, la vigie du Perfora pour aller faire travailler vos méninges, vos impressions. Tiens, par exemple, Sandrine, qu'est-ce que ça te fait, là? C'est le premier mot qui vient à l'esprit face à ce décor. Je suis impressionnée. Je pensais que ça serait un peu plus grand, mais... Oula, méfie-toi, attention. Hein, le fort te réserve. Ouais, je préfère te prévenir. Mehdi. Bah, impressionné, mais nous on va vous impressionner aussi parce qu'on est surtout venus pour gagner. C'est bien ça. Vous êtes une équipe motivée. Bah, écoutez, je vous propose de continuer la visite tout de suite. On va rejoindre Olivier. On y va, on perd pas de temps. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit déverrouiller les serrures qui la protègent. Les clés s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du Perfora. Si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les cachots de Fort Boyard. Attention, avec seulement 5 clés obtenues, la grille s'entrouvre en ne libérant qu'un accès minimum, ce qui limite considérablement la prise des boyards. Avec 6 clés, l'accès limité pénalise toujours les allers-retours vers le trésor. Pour que la grille s'ouvre entièrement, 7 clés sont nécessaires. Gaël, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Oui. Bonjour mes amis, venez, venez, n'ayez pas peur, soyez les bienvenus sur Fort Boyard. Comment ça va bien? Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ça va, petite place? Bon, parfait. Alors, cette première prise de contact avec ces vieilles pierres? Ça va. Très bien. Ah, oui, j'entends même de la gourmandise dans votre voix. Oui, il faut être gourmand, je vous l'avoue, en effet, pour pouvoir survivre aux différentes épreuves et aventures que nous vous avons préparées aujourd'hui. On vous l'a sans doute dit, je vous le répète malgré tout, 45 minutes pour la première partie de cette émission, pour récupérer les 7 clés, vous le savez. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, non pas pour vous, mais pour une association qu'on l'on a évoquée en début de programme et que l'on peut peut-être reciter à nouveau et redonner également son objet. Qui veut parler? Oui, ben moi je vais vous en parler. Donc l'association, c'est Solidarité Défense. Donc comme vous le savez, il y a des militaires qui s'engagent pour faire avancer la paix, et mais des fois, donc il y a des événements malheureux, des accidents, des décès, et donc cette association est là pour soutenir les familles des personnes qui connaîtraient justement ces tristes événements. Parfait, donc un bel objet d'association. On va par une équipe en béton armée, quand même. Je tiens à le souligner, c'est tous des champions, là. J'espère que vous allez briller autant que vos médailles. D'ailleurs, regarde, ils m'ont confié ceci. Je manipule avec délicatesse. Oula. Je ne me permettrai pas de la porter, mais peut-être qu'on peut la confier. Tiens, un passe-partout pour nous porter bonheur pour cette première épreuve. Tu en prends bien soin. C'est superbe. C'est la médaille de qui? Sandra. Sandra. C'est joli, hein, impressionnant. Ah ouais. Je m'oblige un peu à la toucher parce que c'est pas tous les jours qu'on touche une médaille olympique, quand même. Je suis pas prêt d'en avoir une, moi, pour le coup. Bon, parfait. Alors, puisque nous parlions de ce qui vous attendait, le mieux c'est peut-être de se plonger maintenant dans le bain. Oui? Non? Qui veut s'en? Ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Hein. Le gong vient de retentir. Place maintenant à l'action. Je vais demander à Vincent de s'approcher. Allez. Allez, Vincent, tu as de la chance, parce que figure-toi que le samedi, sur Fort Boyard, c'est jour de bricolage. C'est vrai. Tu vas donc bricoler une échelle. Tu vas voir, pour ce faire, je vais te demander de t'équiper. Allez. Pour des mesures de sécurité évidentes. Car ici, forcément, tout est fait pour que rien ne vous arrive de grave. Voilà. Si ce n'est quelques émotions. C'est par là, attention. Vincent, bonne chance à toi. 3, 2, 1. Allez, Vincent. On est avec toi, t'inquiète pas. Tiens, Sandrine. Tu vas
mais le rassurer, lui donner 2-3 petites indications, surtout qu'il accroche bien sa sécurité. Accroche bien ta sécurité, c'est bon. Et dis-lui bien qu'il la garde toujours entre les deux bras. Ouais, oublie pas de la garder. Tu m'entends, Tom? Ouais. Garde bien la sécurité toujours entre tes deux bras. Ok. C'est bon? Tu vois la clé, c'est bon? Et là, ouais. Il a, là, il va constituer sa propre échelle. Tu vois surtout qu'il assure bien les barreaux au milieu pour pas glisser. Et il va pouvoir grimper jusqu'à la clé et nous la ramener. Hein. On surveille le top, t'inquiète pas, pour voir si tout va bien. C'est mon pose, hein. Qu'il assure bien ses barreaux. Assure bien tes barreaux. Ouais, c'est bon comme ça, continue comme ça. Très bon. Je vais chercher la clé. Jusqu'en haut. Récupère-tu dans le sous. Il aura ses barreaux pour aller jusqu'au bout. Ah, mais c'est tout. Ouais, il va falloir qu'il s'organise, qu'il en récupère après en bas et qu'il continue à. Et oublie pas de récupérer ce d'en dessous. Hein? Un en dessous au moins pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Faut en récupérer un. Bah ouais, parce qu'il va t'en manquer pour aller jusqu'au bout. Merci. On est au du temps, comment c'est? C'est bon, t'as le temps, t'inquiète, on te dit. Nickel comme ça. Il assure bien ses prises, surtout quand il est en haut. Hein. Assure bien tes prises, surtout quand t'es en haut. Regarde, il est tout prêt. Il est tout prêt. Voilà. Et voilà. Yeah. Yeah. Bravo. Super. Ah, on sent l'entraînement là. Hein. C'est pas un champion pour rien, Vincent. Hein. Voilà, t'as la super. Ouais, c'est ouais. Génial. Génial, bravo. Remets la clé à Passepartout. Bravo à toi. Voilà, on enlève ta ceinture. Regarde la capsule. Regarde la capsule. Bon, c'est bien, c'est bien. Parfait, allez, parfait. Allez. Ça va, c'était pas trop compliqué pour toi, hein? Bien, vraiment à l'aise. Alors, on y retourne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bravo, mes amis. Vous avez bien commencé cette aventure. Bon. On va pas non plus crier victoire trop vite, hein, parce qu'on connaît le fort, on sait de quoi il est capable. Je ne nous porte pas malheur. Mais je ne porte pas malheur, bien au contraire. Mais la seule chose, c'est qu'il faut rester néanmoins vigilant. Première clé donc, peut-être une deuxième dans un instant. Alors pour cette épreuve, pour tout vous dire, on a besoin de quelqu'un qui soit à la fois agile, précis, puissant. Et alors bon, on s'est dit, ces trois qualités sont réunies pour la plupart d'entre vous, mais en même temps, peut-être que ce serait bien de les diviser. C'est pourquoi nous avons demandé à Sandrine, à Mehdi et à Rodi de venir ici devant la porte maintenant. Allez-y. Allez. C'est par là, je vous en prie. Allez, bon, attention. Allez. 3, 2, 1. C'est parti. Allez les champions, on y va, c'est parti. Vincent, mets-toi près de l'ardoise. Est-ce qu'ils ont vu la clé déjà? Ils ont vu la clé. Ok. Vous avez vu la clé? Pour récupérer cette clé, il faut faire contact avec les petits boutons qui sont voilà, dans ces petites trappes. Ils appuient dès que ça s'allume. Super. Ils trouvent la diagonale ou la droite. Tu peux entourer le 1 et refaire le morceau de ton côté sur la droite. Attends. Non, non, non. Le 5, c'est pas bon. On va te mettre au 7 pour que tu saches. 5, c'est pas bon. Allez. C'est comme le morceau, c'est le même principe. Voilà, ils ont le 1. Il y a 3 points alignés. Il grimpe sans problème en tout cas, hein. Pas de ouais, problème. Ah voilà. Ouais, c'est bon. 1, 4. Allez, vous restez. Restez 3 secondes, hein. 3 secondes. Très bien. Et c'est quoi la clé? Regardez la clé. Ça y est, regardez la clé. Hop, ils peuvent aller la récupérer. C'est bon, c'est parti. Nickel, super. Allez, c'est bon. Ah, génial. Je pense qu'on va pas avoir de problème avec vous. Si vous continuez comme ça, je pense que c'est la victoire assurée. Bravo à vous. Bon, vous le sentez bien là? Ouais, c'est bon. Un petit cri de guerre. Allez, je sens bien, on en profite. Allez, allez, allez. 1, 2, 3, 4, solidarité, super, bravo à vous. Anne-Gaëlle, l'équipe, bravo. Pour le moment, c'est un sans faute. Deuxième clé donc, peut-être une troisième en vigie avec Sandra. Quant à Florence, elle peut suivre Passepartout pour se préparer pour la prochaine épreuve. Allez, Sandra. Allez, Sandra, allez, allez. Parfois. 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 Oh. Eh oui, excusez-moi, mais... Pardon, pardon, mon petit Olivier. Je t'ai plongé dans une lecture, là, d'un ouvrage, mais fascinant. Ça s'appelle « Comment contrôler la douleur par la pensée ». Et c'est le titre de référence de tous les fakirs. Fakir? Oh, oui. Vous n'avez plus l'âge à vous lancer dans le fakira. Quoi, vous avez passé votre vie maintenant, vous transpercez le corps, à dormir sous des lits à clous. Ça ressemble à rien, parfois. Saviez-vous, mon petit Olivier, que le cerveau humain est capable de vaincre la douleur, même la plus terrible? Ah bon? Oui, bah tenez, par exemple...
prenez ce que vous voulez et tapez-moi sur la main, tenez. Allez-y, Franco, Olivier, je suis concentré, allez-y. Attendez, j'ai trouvé quelque chose. Ah bah tiens, je vais prendre l'encyclopédie qui est près de vous. Ça va, père Foix ? Vous avez mal ? C'est remarquable. Formidable. Ça pique les yeux, oh là là là. J'ai dû louper un chapitre, moi. Oh. Bonne chance. Ah, bah tiens, en parlant de boss, voici Sandra. Eh bien, vous êtes essoufflé ? Non ? Ça va. Ah bon, on va tout de même pas vous mettre un remont de pente, non ? Non, bon, ça va. Bien. Bon, alors dites-moi, vous êtes habitué à la hauteur ? Eh bien, ici, il va falloir être au sommet de votre réflexion pour vous élancer. Et attention, la chute. Pas de l'énigme, bien sûr. Oula, j'ai pas le cœur à rigoler, vous, hein ? Ah si, si. Ah bon, bah, j'essayais de vous distraire un peu, moi, ma petite Sandra. J'étais concentrée. Bon, bah, restez-le. Allez, vous avez raison. Et écoutez bien, voici l'énigme. À l'occasion, il vous invite. Au tir, c'est une réussite. En pâte, il sert à décorer. Et il vous aide à déménager. Qui est-il, je répète, à l'occasion, il vous invite. Au tir, c'est une réussite. En pâte, il sert à décorer. Il vous aide à déménager. Qui est-il ? Il nous sert. Alors ? Bien. Mal plutôt. Là, qu'est-ce qui reste ? Pas grand-chose. Alors ? Proposez-moi quelque chose. Allez, un mot au moins. Non ? Bon. Et vous allez faire, bien entendu, comme d'habitude. Bon, bien sûr, c'est le carton. Mais oui, le carton d'invitation. L'expression « faire un carton au tir » et le carton pâte qui sert à faire des décors de théâtre, par exemple. Et le carton de déménagement. Eh ben oui. Eh ben, écoutez là, bredouille, hein. Bon, ben la porte, c'est par là. Allez, hop, on y va. Elle est déçue. Elle était trop concentrée, à mon avis. Et là, c'est carton rouge. Bon, allez, on va pas gagner non plus tout le temps. Mais cela dit, pour le moment, vous avez plutôt bien manœuvré. Alors, Florence, comment ça va là-haut ? Ça va, ça a l'air d'aller pour le moment. Bon, pour tout te dire, avec ce pont de singe, on a besoin de quelqu'un qui sache eh bien, maîtriser parfaitement l'équilibre. On avait donc hésité entre toi et Sandra. Et puis comme Sandra, c'est les boss, on s'est dit qu'avec toi, au moins, on prenait moins de risques. Alors voilà donc l'objet de ton épreuve. Tu vas devoir, sur ce pont de singe, te saisir de l'un des sacs, le jaune en l'occurrence, le plus rapidement possible pour eh bien, sortir de sa boîte un code que ton équipe composera ici afin de libérer la clé qui se trouve pour le moment attachée à ce poteau. Attention, c'est un duel face à toi, la gymnaste. Si celle-ci est plus rapide que toi, le code en question sera détruit. Bonne chance. Attention, c'est parti. Au cadenas, comme ça, dès qu'elle va nous crier le code, tu pourras le composer, d'accord ? Allez, c'est super, vas-y Florence. Allez, vite, perds pas de temps avec la clé, surtout, hein. Vas-y, fais-le bien. Vite. Ça va exploser, sinon. Dépêche-toi, Florence. Oh là là là. Tu vas y arriver. Qu'elle rentre pas. Prends ton temps, tu vas y avoir. Ah, mais elle rentre pas. Ah, il a sauté. C'est pas grave. De justesse, Ça rentrait forcément. Le truc, c'est que t'es un peu stressée, tu te dépêches. Voilà. Cri de guerre. Eh bien, justement, cri de guerre. Je dis cri de guerre. C'est maintenant le cri de guerre. Solidarité. Allez, c'est parti, on se donne partout. Par là.
Oui. Pour l'instant, toujours deux clés. C'est une constante. Il faudrait que cette constante change quand même, à un moment donné, ou à un autre. Bon, Roddy. Roddy, c'est ton heure. Bon, l'argent, ça te connaît. Et tu as bien fait de choisir ce qu'ils te font pour récupérer cette médaille d'argent. Maintenant, ici, avec l'épreuve que je vais te donner, tu aurais mieux fait de choisir le curling. Si tu ne comprends pas, ça va être très clair pour toi dans un instant. Vas-y, présente-toi à la porte. Attention! Vous m'aidez là, hein? Oui, t'inquiète, on est avec toi. Et tu, qui c'est qui surveille là? Concentration! C'est parti! Lola! Alors, dis-lui bien, regarde. Alors. Au sol, il y a un boulet. Il l'a pas vu. Il y a un boulet devant toi! Il y a un boulet devant toi! Il faut qu'il le montre. Et jusqu'au trou pour aller débloquer la clé. Tu as bien vu la clé? Ouais, j'ai vu, ouais. C'est lui qui pousse le boulet dans le trou. Pousse le boulet dans le trou! Non, c'est ça. Il s'y prend pas mal pour l'instant. Il faut qu'il trouve sa méthode. C'est bien, continue comme ça. C'est pas mal. Le plus difficile, c'est de passer le premier niveau. Ouais. Très bien. Doucement. Ouais. Voilà, il s'énerve pas, il est calme, c'est tout à fait ce qu'il faut. Plus où? Peut-être tu peux choisir une glissette contre le mur. Ça peut être une méthode. Rosie, tu peux t'aider contre le mur aussi. Suis le mur et continue à avancer. Voilà, il peut aussi opter pour cette tactique-là. Là, il lance, il rattrape, ça peut être pas mal. C'est pas mal, ça. Il a passé le premier niveau. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Allez, il est presque. Qui est presque, Rosie? Qui est presque? Il calme bien le jeu, hein. Il calme le jeu tout doux. Concentré. Doucement, tu attends. Ça va, on a encore un peu de temps. Aïe, il le bloque. Il a le temps, Il a fait le plus dur. Tu as fait le plus dur, Rodi. Voilà. Super, super, super. T'es prêt? Allez. Oh. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce que je peux sortir quand même? Allez, c'est bon, parfait. Rodi? Mais tu peux sortir, Rodi, hein? Faire pratique, on peut entendre la porte quand même. Merci. Génial de me voir. Bon, ça va, toi, tu ne seras pas condamné comme Sisyphe à pousser ton rocher tout en haut de la montagne, tout va bien. Petite séance d'autocritique. Tu te sentis bien? Au début, j'ai du mal à trouver le coup, mais après, ça allait assez. Tu t'en es bien sorti parce qu'elle n'est pas évidente, cette scène, sincèrement. Tu es resté calme et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Merci. Bon, bah, combien de clés? Super, trois clés. On y retourne. Ah ouais. Parfait. Enfin, d'autant plus parfait que, pour tout vous dire, j'essaye de temps en temps en cachette de m'entraîner avec cette épreuve dite de Sisyphe et je n'y arrive jamais. Ça arrive toujours pas non plus. T'en plus? T'inquiète pas. C'était pas tant ce que vous venez de faire. On s'entraînera ensemble si vous voulez. Oui, c'est une méthode particulière que tu as, c'est évident. Bon, continuons là-dessus. C'était de justesse. Hein. Est-ce que t'en es bien sorti quand même? Pas grave tout ça, pour l'instant, je dis pas grave parce que déjà trois clés, que c'est un beau parcours. Continuons ainsi, Mehdi. Ah. C'est pour toi. Allez. Bon. Tu vas jouer les gentlemen cambrioleurs à la Arsène Lupin. Ah, mais bon. Tu ne seras pas tout seul avec Sandrine. Bon. Vous allez tous les deux, s'il vous plaît, opérer un petit cambriolage de derrière les fagots à la méthode Boyard. C'est parti. Allez. Regardez bien la clé au début. D'accord. Moi, je rentre dans... Est-ce qu'il l'en repérait cette clé? La clé tout au fond. Regardez, elle est enfermée dans un coffre. Il faut aller l'ouvrir, ce coffre. C'est bien, ils ont la bonne méthode. Ils peuvent faire passer le barillet à travers les cloisons. Crie-leur bien, entraîneur. Parlez-vous bien. C'est bien parti, là. Allez, on y va. Non, c'est pas bon. À eux de trouver comment faire entrer le barillet, ça correspond parfaitement bien. Faut bidouiller. C'est pas mal. Non, ça passe pas. C'est pas bon. Non, c'est pas leur profession, ça. Je pense qu'ils sont pas bien habitués, quand même. Dans l'autre sens, ça sent bon. Voilà. Pas mal. Allez, on continue. Allez, vous avez le temps, tranquille. Qui se parle bien, hein. Faut communiquer, faut coordonner ses gestes. Alors, attends, on peut commencer comme ça. Voilà, tourner, voilà. Le retour, oui, il laisse la souffle. Pas mal. Alors, comme ça. Facilité, regardez-moi ça. Regarde-moi ce tes ongles. Allez. On surveille le temps, ça va. Voilà, fort. Un, deux. Attends. Non, là, on se porte comme ça, voilà. Il suit les flèches. On tourne. Ouais, voilà, c'est comme ça, là. Là, ça passe pas, non? Pas bourriner, hein. Dans l'autre sens, alors. Allez, ça y est, il faut qu'il tire sur la porte, allez. Allez,
tire, c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Regardez le temps qui reste. Regardez-moi ça. Vous voulez pas y retourner? Non, on en fait une deuxième. Bon, comment vous êtes senti? À l'aise dans cette épreuve? Comme dans une serrure. C'est très vous, le cambriolage, ça pourrait être votre truc. Hein. Ouais, on va pas vous dire tout ce qu'on fait, mais bon. On a été trahis. Non, mais vous avez un truc quand même. Hein? Vous avez un truc là, non? Ben, c'est l'audio là, ça marche là. Bon, c'est l'équipe surtout. Entendu, en fait. Ouais. Une équipe bien soudée, continuez voilà. Comme ça. Passe partout. Allez, go. Tu as le sourire depuis le début de cette émission. Simplement, j'aimerais savoir, bon, bien entendu, quand on participe aux Jeux Olympiques, il y a l'entraînement qui s'impose. Est-ce que ici, pour venir sur le fort, vous vous êtes imposé un entraînement particulier ou... Tu t'es blessé, Vincent. Non, c'est bon. Non, je sens là le grand sportif qui commence déjà à avoir un petit souci au niveau du trapèze. Tu es certain? Sinon, la boule, tu sais, fait des massages absolument revigorants. Je ne te conseille pas, je ne te conseille pas. Ouais. Alors, au niveau d'entraînement, vous avez fait quelque chose de particulier? Les filles, un peu concentration, s'il vous plaît. Entraînement sportif du dimanche, c'est-à-dire soda devant la télé, paquet de chips, voilà, c'est tout ce qui. Ça a marché ça. En tout cas. Très bien. Conseil pour toutes celles et tous ceux qui viendront dans les semaines qui viennent dans cette émission. Bon, alors maintenant, c'est au tour de Sandra. Le regard que m'a lancé Sandra. Heureusement que je suis bien armé, hein, parce que sinon j'étais foudroyé. Sandra, tu vas jouer la mouche. Oui, une jolie petite mouche, grâce à cette ventouse. Et puis espérons que ton équipe t'aidera à te donner des ailes. Voilà. Procède par ici, vas-y. D'accord, fais par là. Bon, par là. C'est par en haut. Je vous rappelle quand même, même si maintenant vous commencez à être un peu blasé au niveau des clés, que le but du jeu, c'est d'en ramener encore une. Attention. Tu es prête, Sandra? Oui. Alors, tu as déverrouillé le loquet ou pas? Non. Alors, vas-y, vas-y. C'est bon? Allez, c'est parti. Allez, Sandra. Sandra, tu ne touches à rien, surtout tu fais attention. Tiens, lui, qu'elle ne fasse rien tomber, pas un pied au sol. On va pas trop la clé. Sandra, tu montes un? Ouais. Et attention à la petite bibliothèque. En fait, à tout prix que tu fasses rien tomber du tout. Est-ce qu'elle a vu... Tu tiens bien la ventouse. Est-ce qu'elle a vu la clé? Est-ce que t'as vu la clé? Oui, je l'ai vue. Le milieu, là. Tu peux rien... Elle la tienne bien. Non, surtout pas. Qu'elle la tienne bien. Tu la tiens seulement et après, tu te déplaces normalement. La ventouse, elle te servira à la fin. Voilà. La ventouse, c'est ce qui va lui servir à ouvrir la vitrine et pour récupérer la clé après. Qu'est-ce que tu dis? Je peux descendre sur l'armoire. Ouais, mais tu fais rien tomber. Oui, c'est conseillé, là. Tu fais rien tomber et tu traverses, en fait. Essaye de... d'un élément à l'autre. Il faut pas qu'elle perde de temps, il faut qu'elle y aille, hein, sinon on va se faire avoir. Vas-y Sandra, c'est bon là. C'est voilà, bien, attention, là. Hein, qu'elle prenne bien ses appuis parce que ça peut bouger, qu'elle fasse pas tomber de livre. Prends bien tes appuis comme en ski. Il y a des cordes là. Attention au cadre derrière elle aussi. Allez, ouais. Allez. Attention au cadre, voilà, tu chopes la corde, tu t'accroches. Allez, c'est parti. Nickel, la corde et ensuite elle passe sous l'échelle. Passe sous l'échelle. Sous l'échelle, voilà, comme ça c'est au sol. Attention, attention qu'elle se balance pas trop. Oui, et là il va falloir que je trouve sa méthode. Oh là 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 là, bien rattrapé, bien rattrapé. Allez, 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 faut y aller. Elle continue comme ça, tu traverses l'échelle, c'est bon, t'as rien fait tomber. Il faut qu'elle fasse attention pour le retour aussi, c'est pareil. C'est le retour, donc il va falloir faire vite parce qu'elle a perdu quand même du temps au départ. Allez, faut y aller. Le tout pour le tout là. Vas-y Sandra. Je crois qu'elle est au bout. Tu t'en sors bien, c'est bien, continue. Attention là, ouh là là là. Demande-lui si elle est loin, Sandrine. Attention, fais pas tomber le fusil. Hein. Elle peut poser. Attendez, elle a encore un peu de temps. Elle peut poser ses pieds un peu là, prendre un petit. Voilà. Ouais, exactement, voilà. Il faut qu'elle y aille, qu'elle tente le coup. Elle peut pas abandonner maintenant, ce serait dommage. Vite, chope la, c'est bon. Allez, vite.
Sandra, rassure-la. C'est pas grave, Sandra. T'inquiète pas, on va venir te chercher. C'est la boule qui va s'occuper d'elle. La boule, il est... Voilà, la boule est tellement, tellement sympa. Ah, de belles mains. Ne t'inquiète pas. Allez, on y retourne. Prochaine épreuve, on y va. Bien joué la mouche, hein. Mais la mouche qui est rentrée dans un pot de glu, on va dire. Elle est restée bloquée. Ce sera donc tout à l'heure pour la libération de Sandra. Déjà un en moins. Qui sera la prochaine victime? Telle est la question. Vous le savez, au JO de Turin, 16 militaires sportifs de haut niveau ont participé, dont Vincent. Vincent, je te propose maintenant, eh bien, au nom de la France, sergent, d'œuvrer au mieux, je vous en prie. Attention. Pensez à la République, nom d'un chien. C'est bon. Allez, Vincent, tout de suite, tu regardes la clé, hein. Dès ton entrée. Elle est où, là? Tu la vois? Regarde, devant toi, devant toi. Enfermé dans une boule, enfermé dans une boule. Voilà, il s'engouffre, il passe sa tête dans le trou. Ah, c'est avec sa tête. Voilà, c'est l'histoire de la tête. Au centre du plateau. Ouais. Non, il est à l'envers, là. Il faut qu'il se retourne. Qu'il ressorte et qu'il... Ressort, t'es à l'envers, ressort et retourne-toi. Voilà, qu'il se retourne et qu'il attrape les poignets. Qu'il attrape les poignets. Sur les poignets, va voir. Il s'est pas bien positionné. Il va se remettre bien droit, voilà. Non, il est à l'envers, là. D'accord. Ressort, t'es à l'envers, encore. Les poignets, vous faites ça devant toi. Voilà, parfait. Ok. Alors, à lui, je vais manier le plateau, maintenant, pour faire entrer l'une des planètes dans la petite rampe qui se trouve juste à côté de lui. C'est ce qu'il va faire. Une planète dans la rampe. Alors regardez bien les planètes, il y en a différentes tailles. T'as compris, c'est bon? Toz! Il n'entend pas. Crie-lui bien, bien fort à toi. Toz! Ouais! Eh, t'as compris, c'est bon? Ouais, silence, il met des planètes dans la rampe qui sont sur sa gauche. Ouais, il en faut qu'une! Rentre une lui, planète dans la rampe sur lui, ta gauche! La bonne, attendez. Eh oui, regardez bien, il y a différentes tailles de planètes, différentes couleurs, à votre avis. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Voilà, si, regardez bien. Regardez, regardez les couleurs. Voilà. Laquelle vous interpelle le plus? La rouge. Bah, tentez la rouge. Allez-y. Essaye de faire rentrer la rouge. Ouais, tous la rouge. Il ne fixe que la rouge, il se concentre là-dessus et il nous la fait passer dans la tête. Ouais, ouais. Allez. Ouais, vas-y. Ouais, ouais, pas loin, pas loin, pas loin. Y'a que la rouge qui peut rentrer. Ils entendent pas, hein. Allez, t'as le temps, t'as le temps. Regardez bien le temps, ouais. T'as encore le temps, c'est bon. Il a le temps, mais pas tant que ça, hein. Ça va pas être évident forcément de ressortir. Il ressort tous maintenant. Non, mais qu'il essaye encore un peu, qu'il essaye, qu'il essaye. Allez, encore une tentative. Ouais, reculez là. C'est chaud. Sors, 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 sors. Sors vite. C'est un vrai casse-tête, ça. Ouais, ça fait du bruit en plus. C'était la rouge. Bon, qu'est-ce qui t'a manqué là, à ton avis? Bah, la première, j'ai pris une grosse, j'ai pas fait gaffe vraiment à la dimension du trou. T'as eu un petit peu de mal aussi à trouver ta position. J'étais pas loin sur la première et la deuxième, après, la rouge. C'est lourd, c'est parce que c'est physique quand même. Mais ça tombe tout le temps. Ça donne un petit peu le tournis. Ouais, là, j'ai un peu le mal de mer. Si tu devais la refaire maintenant, cette épreuve, tu te reprendrais de la même façon? Bah, déjà dans un meilleur sens au début. Déjà dans le bon sens avec les poignets comme ça, c'est pas mal. Bon, t'as fait quand même la tête dans les étoiles. Là, j'ai un peu. Mais dis, tu penses que t'aurais pu mieux faire, toi? Ah non, je pense qu'il s'est bien débrouillé et puis. Rester soudés les uns les autres. Exactement. On y retourne. Et 4 clés, vous savez que c'est bien, mais c'est pas suffisant quand même. Ouais, il faut ça. Non, en effet, Anne-Gaëlle, et peut-être que maintenant, la possibilité pour l'équipe d'en récupérer une supplémentaire. Si Florence avait lu son horoscope aujourd'hui, elle aurait vu que c'était son jour de chance. Elle va rencontrer Perfoura. Il y a des jours comme allez, ça où un bonheur ne vient jamais seul. Le reste de l'équipe est avec toi. Allez, on part. 45 minutes, ça file, hein. Ouais. Parce que le plateau il tourne tout le temps en plus. Qu'est-ce qui se passe par la tête là? Biathlon. Biathlon. Du fond et du tir. De l'endurance et de la précision. Du souffle et du calme. Tout mon portrait quoi. Ma petite Florence, bonjour. Bonjour. Vous êtes en pleine forme, on voit que vous avez de l'entraînement. Bien. Eh bien, voyons voir comment vous vous comportez devant ces petits mots qui se baladent là,
qui vont bientôt vous parvenir. C'est parti, on y va, on écoute. Voici votre énigme. Lorsqu'elle nous porte un coup, l'amour vient à nous. C'est l'apanage de Jupiter. Elle devance le tonnerre. Qui est-elle? Je répète. Lorsqu'elle nous porte un coup, la foudre. L'amour vient à nous. C'est l'apanage de Jupiter. Regardez, les pages en tournent toutes seules. Elle devance le tonnerre, effectivement. La foudre. La foudre. Yes. Eh ben, vous partez sans la clé. Ah ben non. Comme... Ah non, je la remets. Non, c'est bon. Bien, écoute, allez-y. Merci. Ben, voilà. Eh bien joué. Ben, là, cette foudre est passée comme un éclair. Faisons un point sur le nombre de clés passe-partout. Ça nous fait combien en tout? Pas mal. Le minimum pour voir la grille, il y a la foudre. Et Anne-Gaëlle a raison, c'est vrai. Déjà, ça, c'est la garantie pour vous. La grille s'ouvrira. Peu, certes, mais elle s'ouvrira quand même. Bon, continuons sur cette voie avec, Sandrine. Sandrine, tu vas maintenant procéder à une mise à l'épreuve un peu particulière. Si je te dis Colombo, par exemple, tu penses plutôt à l'inspecteur de police? Ou bien est-ce que tu penses plutôt à un plat épicé? Bien, c'est pas grave, tu vas réviser ta géo. Bien, tout de suite, je préfère ne pas attendre la réponse, sinon on va perdre du temps. Alors, attention, il y a des problèmes existentiels comme ça. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Première chose, trouver le coffre. Tu vas nous donner une petite indication. Allez. Voilà, il faut vraiment qu'elle réussisse. Il faut vraiment qu'elle réussisse cette épreuve. Rentre Sandrine dans le panier. Attention, pas tous à la fois. Je vous conseille de lui parler calmement, sinon on va rien comprendre. Et je pense qu'il faut que tu vides. Allez, dépêche-toi. Faut que tu vides le panier. Attends, la vas-y, jette, balance. Je vous signale juste une chose, c'est que la porte s'est refermée, il lui faut absolument cette clé pour sortir, sinon on la perd. D'accord? Donc voilà, tu te concentres parce qu'elle est importante, cette clé-là. Regardez bien les noms sur les ballots, ça peut peut-être vous servir après, essayez de les mémoriser. Allez, ça sent là. Elle peut peut-être essayer de trier les noms qu'elle voit sur le ballot. Tu vois des noms ou pas? Hein? Pas des noms là-dessus. En fait, c'est hyper trop, c'est quand même. Tu vois le coffre? Il y a un coffre? Ouais. Regarde le coffre. Lima. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a écrit quoi? Lima. Allez. Vas-y. La clé est partie pour Lima. Cherche le ballon Lima. Cherche le ballon où il y a écrit Lima. Ouais, j'ai. Tu l'as? Ouais. Regarde ce qu'il y a écrit sur le ballon où il y a écrit Lima. Allez, sans ça. Regarde le ballon, il y a écrit Lima. Il y a écrit quoi là-dessus? Retourne quelque part, sinon. Allez, ouais, sur le dessus. Ouvre. Il faut que tu ouvres. C'est trop tard. Là. Elle l'avait dans la main, la clé, là. C'était celui-là. Elle l'avait pratiquement. Il lui faut cette clé. C'est bon, il reste. Mais non, il y a la grille, c'est... Non, il reste plus. Dommage. Bon, ben, ce sera une petite visite avec la boule. On va se refaire. À tout à l'heure. 5 clés, c'est déjà bien. C'est pas grave. Ce qui serait bien, ce serait d'en avoir une 6e quand même, passe-partout, ok? Allez, à tout à l'heure, tu t'en es bien sorti. À tout à l'heure. C'était vraiment, vraiment de suspense. C'est dommage. Oh, le sprint. Elle l'avait presque dans la main. Oui, presque, ça n'a pas de valeur. Ça ne suffit pas, je sais. Qu'est-ce que vous lui posez comme ça?
Bon, venez les rapprocher, vous rapprochez-vous. Vincent, tiens, par exemple, toi, viens, viens plus près de moi. Viens plus près de moi. Dis-moi, mon petit Vincent, allez. Tu vois cette porte? Ouais. Faut pas prendre cet air malheureux, tu la vois bien, cette porte. C'est bon, ouais. Bon, très bien, parfait. Ben, tu vas rester devant et tu vas encourager Mehdi. Tiens, viens, Mehdi. Oh. On est joueurs. Attention, on va pas jouer longtemps, moi, c'est bon. C'est parti. Allez, la sixième clé, tu nous la ramènes. Qu'est-ce qui se passe, fais-nous rêver. Allez, regarde bien tout autour de toi, essaye d'opérer la clé. Allez, prends les bras, là. Allez, Mehdi, hein. Bon, alors là, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il essaie de monter, la corde redescend. C'est le principe de la bobine. Il faut qu'il y aille par petits coups, il monte, il essaie de la tracer. Allez, tout de suite, faut enchaîner. Des petits coups. Faut enchaîner des petits coups avec les bras. Hein, il grimpe, il essaie d'attraper. Enchaîne avec les bras assez rapidement. Et parce que là, il attend trop, il va redescendre. On va attendre sur la corde. Allez, Mehdi, allez, faut essayer. Allez, tout de suite, hop. Non, non, il faut vraiment qu'il y aille par à coups, qu'il essaye de débloquer la clé en plusieurs fois. Allez, Mehdi, hein, faut essayer quand même. Allez, plus bon, avec la rapidité. Temps, là, ça donne quoi, les gars? Non, c'est bon, t'as le temps, mais... Ouais, mais je me balance, là. Si, faut pas abandonner, non, il faut qu'il donne tout cela, là. Ce qu'il faut, c'est que tu t'enchaînes, essaye de vraiment alléger la corde au maximum. Donc, il faut tout de suite enchaîner avec tes bras. Il saute le plus haut possible et il essaye d'attendre. J'ai pas de technique. Allez, hop, voilà, tout de suite, allez, encore. Allez, Mehdi, allez. Il nous la faut, cette sixième clé. Il faudrait que la porte puisse s'ouvrir davantage pour la fin de l'émission. Ça... Allez, Mehdi, il faut essayer encore. Allez, te décourage pas, Mehdi, on est avec toi. Allez, prends ça d'association. Non, il a encore un peu le temps, Non, faut pas se décourager, là, les amis. Regarde, t'avais encore du temps, là, tu pouvais encore la tester. Ouais, la fin, vite. Ouais. Reprends ton souffle. Costaud, hein. Ouais. Là, c'était costaud. C'est quoi la principale difficulté pour toi, là? Ah, je pense que voilà, il faut réussir à s'accrocher d'une façon ou d'une autre, les pieds, les mains. Fais-moi tes bras, là. Quand même. Bon, allez, on continue. Allez, c'est parti. Et je veux vous entendre, motivé. Allez. Moi, j'ai fait cette tête-là. Oui, mais quelle explication vous donnez? Il faut des gros muscles. Voilà. Les a pourtant, Mehdi, les gros muscles. Plus fort que fort. Voilà, c'est ça, il faut plus fort que fort. Bon, Vincent, viens ici, s'il te plaît. Vincent, est-ce que tu vois cette porte? Et toujours. C'est Rodi qui va. Et non, c'est toi. Voilà, pour une fois. Alors déjà, cette porte, il y a un asile. Oui, je sais, c'est pas particulièrement accueillant comme notion, mais ça tombe plutôt bien parce que l'idée, c'est que tu restes pas longtemps et que tu nous ramènes la clé. Bonne chance, Vincent. C'est parti. Au revoir, Vincent. Merci. Viens près de moi. Tu as remis la clé à passe-partout.
Il a été comment, Vincent? Super. Non. Il a été comment, Vincent? Il a été très bien. Merci, bravo à toi. Ça va? Pas trop d'ecchymose? Non, ça va. Mais ça va venir. Je pense que demain, tu vas penser à nous. Je me mettais pas assez dessus. Bah écoute, tu t'en es bien sorti dans les temps. Une clé de plus, ça me paraît bien. Est-ce qu'on tente la septième clé? Est-ce qu'on la tente? Oui. Alors on y va. Allez. Hey, hey, tu vois ça? Hey, hey. Tu vois ça? Passe partout et dès que sa tête inébule comme ça autour de lui, il est content. Ça veut dire qu'il a plein de clés sur lui. Bon, bien joué, tu t'es fait mal. Hein. Non, ça va, mais. Tu souffres. C'est assez physique, hein. C'est vrai qu'on devient fou là-dedans. On devient fou, hein. Globalement, on devient fou dans tout le fort. Hein. Mais vous allez le voir dans un instant aussi. Avant toute chose, Florence, tu vas suivre Passe-temps, s'il te plaît, pour te préparer pour la suite de cette aventure folle, comme nous étions en train de le dire avec Vincent. Roddy, toi? Écoute, c'est très simple. En fait, si jamais tu réussis, tu risques de te prendre une claque. Si tu réussis pas, tu te prendras une claque quand même. On va réussir. Hein. Si avec ça, je t'aide pas. Attention. On y va. Ah oui, il a été plus. Allez, c'est pour toi, ça. Voilà. Il a fait un. T'as compris. Voilà, qui trouve bien son rythme. Bah, nous, on t'applique le temps, tu t'occupes du reste. Voilà, il dévisse. Il s'y prend très bien. Il tape dessus, ça permet au vis de se dévisser plus rapidement. Allez, allez. Ça s'accélère un petit peu là. Les aides prennent un rythme. Allez, il enjambe, voilà. Il se baisse, il saute. N'oublie pas de tourner. C'est bien, c'est pas mal. Oh, putain. Allez. Essaye de rester au même endroit, hein, devant les voilà. Très bien. Bonne coordination. Pas mal. J'en ai combien à faire, hein? Il a 4 vis papillons à dévisser. Donc plus que 2 alors. Il y est presque. Regarde le temps, tout va bien. Pas de panique. Au niveau du temps, c'est bon. Il se marre même. Mais continue, voilà. Allez, Henri! Il s'amuse. Ah, mais oh, attention quand même. Hein. Ah, il a des super bons réflexes. Hein. C'est bien, c'est vrai. Ah. Ouais, ouais, c'est ouais, bon, ouais, ouais, ouais. Allez, il tire. Allez, il tire sur le tri. Et voilà. Finger in the nose. Pas mal. Bravo à toi. C'est bien ça. Cette clé là, vous m'épatez. Cette clé, ça veut dire que la porte va s'ouvrir en grand tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est déjà une super belle. Cool. Comment ça a été pour toi? Ouais, tu deviens fou, comme a dit Vincent. Tu deviens fou? Ouais, un petit peu, ouais. Mais bon, ça allait. Regarde le temps. Ah, ça va faire deux fois. Tu retournes? Ouais. Non. Bon, en tout cas, bravo à toi. Je vais vous laisser continuer votre aventure, récupérer le cristal, ça c'est important aussi à la salle des empreintes. Et moi, je vais retrouver Florence qui est en train de se faire équiper. À tout à l'heure, suivez Passe-partout. À tout à l'heure. Pour accéder au conseil, l'équipe doit impérativement entrer en possession du cristal. Le cristal est enfermé dans la salle des empreintes, au bout d'un passage parsemé d'obstacles. Un des membres de l'équipe doit plonger sous les fondations du fort pour atteindre la salle des commandes, seul endroit qui permet de déverrouiller les obstacles du passage. Dans sa progression, l'équipe doit délivrer ses éventuels prisonniers. Car la révélation du cristal n'est possible que lorsque les 6 membres de l'équipe apposent simultanément leur main droite. Bien, mes amis, approchez-vous. Nous sommes donc devant l'entrée du passage, ce qui signifie que dans un instant, vous allez pouvoir récupérer vos prisonniers. Et surtout le cristal tout à l'heure dans la salle des empreintes. Bon, bah tu sais, Florence, c'est quand je te vois dans ce genre de combinaison que je me dis que tu as bien fait de choisir le ski de fond. Ouais, c'est clair. Bon, soyons sérieux, comment tu te sens? Ça va? Ouais, mais c'est vraiment lourd. J'ai l'habitude de ma carabine d'habitude, mais là. Oui, le casque est beaucoup plus lourd que la carabine. C'est hein, sûr. Bon, tu te presses pas? Non, ça va. Calme, surtout tu penses à bien respirer, purger ton air quand tu le souhaites. Le plus important, je te le rappelle maintenant, c'est de descendre au poste de commande, de suivre la procédure pour guider tes camarades dans le passage jusqu'à la salle des empreintes pour récupérer le cristal. C'est très très important pour la suite de l'aventure, ok? Puis libérer les filles aussi, Sandra et Sandrine, qui sont en prison. Donc on compte sur toi, je vais t'aider à te relever. Voilà, je te guide jusqu'à l'échelle. Vas-y, tout doucement. Tiens, prends appui avec tes mains. Bien, alors, je vous rappelle également que pour pouvoir communiquer avec le scaphandrier, que vous allez voir dans un instant... Voilà, s'immerger, vous avez cet appareil. Il suffit d'appuyer donc, voilà, un truc classique, hein, pour pouvoir communiquer avec elle. Elle va faire connaissance avec le monde du silence. Salle du contrôle, immergée. Vous allez voir, c'est ce qui s'appelle la salle du contrôle.
Alors, je vois le siège. Donc, je vais actionner la manette pour être en communication. C'est bon. Normalement, nous pouvons maintenant parler avec toi. Vous m'entendez ? Florence, c'est Olivier. Est-ce que tu nous entends ? Ouais, impeccable. À partir de maintenant, tu seras en communication avec tes amis. Première étape donc, l'ouverture de la porte. À toi de procéder. Ok. Ouais. Donc, je vais actionner des manettes pour que ça puisse vous l'ouvrir. Alors, attends. Une en bas. Une en haut. Et une au centre. Voilà, normalement c'est bon. Oui, très bien, dis-lui que c'est bon. Ouais, c'est bon pour nous, ok. Eh bien, bonne chance à vous. Merci. Et bon passage. Allez, okay. Raconte-moi, à tout à l'heure. Donc là, on est dans une pièce, il y a une manivelle. Il faut mettre la poignée. C'est une porte-tiroir. Là, il faut mettre la poignée du volant à l'est pour débloquer le bas de la porte. Ok. Après, il faut entrer dans le tiroir, la tête en avant. Et fermer le tiroir pour faire ressortir de l'autre côté. Ok, on a reçu. Ok, vous enchaînez tous, voilà. Essaye de t'allonger, on va faire comme ça. Là, ta tête, elle se rend. Ça va, Flo ? Ouais, moi, c'est bon. Ok. Allez, tout. Allez, on va bon, c'est un petit peu long, hein, on est désolé. Rodi est un peu gros. Tu me dis quand t'es sorti ? Je vais y aller avec lui. C'est bon ? Alors, attends, il a dit. Voilà. Allez, c'est parti, mon coco. Tout bien. Ouais. Ça roule, c'est bon ? Ok, Flo, on continue. Là, on est dans un couloir. Il y a, devant nous, il y a un point d'exclamation. Il y a, ouais, il y a 3-4 tuyaux. Voilà, en fait, c'est pour ouvrir une prison. Et dans un des tubes, il y a une manette et ça fera ouvrir la prison. Ok. Il y a quoi, toi ? Faut qu'on nettoie ? Je sais pas, hein, faut essayer, faut tester les tubes et il y a une poignée au fond d'un, deux. Il y a rien dedans ? Il y a rien, une manette ? C'est l'autre. Parle d'une manette ? Ouais. Ah ouais, c'est bien dégueu. Il y a quoi dedans ? Elle est là. Tourne la plaque. À fond, faut qu'on la tourne. Ouais, c'est bon, là, j'ai le voyant qui est ouvert pour la prison. Alors, attends, c'est bon, impeccable. Maintenant, faut aller à une porte codée. Là, on est devant un code. Ok, donc là, faut que tu me décrives les symboles que tu vois. Et moi, ça doit correspondre à des chiffres. Donc, sur celui de gauche, il y en a deux en haut. Ouais. Un juste en bas. Ouais. À gauche. Bon, tu vas te barrer, toi, déjà. Tu peux te bouger, s'il te plaît. Merci. Voilà. Oh. Ah non, non, c'est sa gueule. Bon. C'est pas le bon plan. En fait, on va parler en ligne et en colonne, non ? Bah, comme tu veux. Ouais, alors il y en a deux en haut. Ouais. Un en bas à gauche. Tout en bas à gauche ? Non, au milieu à gauche. Ouais. Et un en bas à droite. D'accord, donc c'est le 6. Et après, il y en a deux en haut, deux au milieu et un à droite. Ouais, le 7. Donc 6 et 7, je dois aller. Hop, oh, alors. Ouais, super joli. Ouais. Alors, 6 et 7. Allez, casse-toi. Voilà, regarde comme t'es bien là-haut. Bah voilà, t'es un. Tu vas rester par là. Allez, écoute. Allez. Comment je fais là ? Alors.
Ouais, on continue. Ok. Donc on passe. Et là, on a à nouveau des tuyaux dégueulasses. Ouais. Devant nous. Ah, purée, il y a des trucs dedans. Bon, on dévisse quel côté? Je sais pas, faut essayer, ça doit être comme tout à l'heure. Ah, là. Tu les enlèves, hein, ou quoi? Ouais, vas-y, allez, hop. Allez, les gars, là, c'est pas un rat qui va vous faire peur, quand même. Il faut tourner. Waouh. Merde, pas. Voilà. Gentil, mon coco, va. C'est bon, la lumière est allumée, ça a marché. Ah, elle est ouverte. C'est bon. Vous pouvez continuer. C'est bon? Elle est ouverte, la deuxième. Donc après, ouais, une porte à code, et ça doit être comme tout à l'heure, voilà. Donc tu me redécris les chiffres. Donc, il y en a un à gauche en haut et un à droite en bas, tout en bas. D'accord, donc c'est le 1. Ensuite, il y en a un à gauche en haut. Ouais. Deux au milieu. Deux au milieu. Un à gauche en haut, deux au milieu, ouais. Et un en bas, à droite. Donc c'est le 8. Ouvrez-nous la porte. Voilà, est-ce que c'est bon? C'est bon pour nous, merci. Bien joué. Okay. Oh, t'es là, toi. Ah, Sanson. Ah. Oh, on est avec Sanson. On lui ouvre ou pas? Allez. Merci. Ouais. Ok.
Il y a une échelle devant nous. Donc on a récupéré Sansan qui a vu 2-3 petites bestioles sympathiques. Donc vous montez à l'échelle, c'est pour aller dans la salle des empreintes. Ok, donc on monte en haut. Ouais. Mais on n'a pas de trace de Sandra. Hein. Ah ouais? Voilà, on est maintenant on est dans une pièce où on sera. Ouais, c'est la salle du cristal. Enfin, pour récupérer le cristal. Oh putain. Donc, vous allez trouver des empreintes devant vous. Ah bah attends, il y a Sandra qui arrive aussi. Okay. Attends deux secondes. Ok. Yes. Bah alors, ça va? T'étais où? Non, ça va pas. Bah, c'est vrai. J'ai vu des trucs horribles. Oh. Est-ce que tu m'entends, Tose? Bah attends deux secondes, on va s'installer dans la salle, là. Ouais, on est bon. On met chacun notre main donc, devant nous. Ouais, je vous vois. Donc, faut que tout le monde mette la main en même temps pour récupérer le cristal, moi aussi. Donc, tout le monde est prêt? Ouais. Ouais. Voilà, c'est bon, normalement. Le cristal devrait sortir. C'est bon pour nous. Ok, bah, faut le récupérer. Ok, on a récupéré le cristal. Merci Flo. Passepartout, passe-temps, il est temps maintenant de recomposer notre équipe. Allez-y, chacun de votre côté, passepartout pour Anne-Gaëlle et notre scaphandrier, passe-temps pour le reste. Bon, dis donc, j'ai l'impression que tu t'en es bien tiré. Ouais, bah c'était pas évident, enfin c'est surtout rien que descendre à l'échelle avec tout le poids du scaphandre. Ouais. Voilà. Une fois dans l'eau, ça va quand même. Tu te sens plus légère. Si j'avais plus d'air et je commençais à flotter, il fallait que je m'accroche, mais non, c'est une bonne chose. Bon, les autres ont bien récupéré le cristal, tout va bien, les filles sont libres. Mm-hmm. Mission accomplie, on suit passepartout, on va émergente aussi. Ok. Bravo. Les voici, à l'air libre à nouveau. Alors, comment ça se passe? Très bien. Ça n'a pas été trop pénible? C'est Non, vous êtes plutôt bien débrouillé, hein. Vous êtes plutôt tranquille. Ouais, ça va. Mehdi, il a perdu sa voix. Ah, voilà, Tu vas falloir encore de l'énergie, hein, c'est pas fini, loin de là. On va reprendre. Bien, alors, il me faudrait Sandra et Mehdi, justement. Vous allez suivre passe-temps immédiatement pour vous préparer pour la première aventure dont on va, bien sûr, parler dans un instant. Je vous rappelle donc qu'avec ces aventures, ce sont des indices à récupérer. Important, ces indices, pour récupérer le mot-code tout à l'heure afin d'avoir le trésor pour l'association. Le mieux, c'est voilà, d'avoir l'équipe dans sa totalité. Anne-Gaëlle est maintenant avec Florence. Tu es tranquille, hein. Ouais. T'as déjà fait? Bah, une fois de la plongée, c'est vrai. Ah oui, ça n'a rien à voir. La plongée, c'est deux choses très différentes. Très bien. Alors, Florent, j'étais en train de dire à l'ensemble de l'équipe que ces indices que vous allez maintenant récupérer à travers les aventures sont importants et pour cause, puisque ce sont eux qui définiront si, oui ou non, vous aurez le trésor en votre possession pour l'association que vous défendez. Vous avez gagné du temps sur les épreuves, c'est plutôt bien, ce qui veut dire que vous en aurez davantage donc pour ces aventures. 20 minutes plus le temps supplémentaire devrait donc être normalement suffisant pour que vous ayez le code en votre possession tout à l'heure. Bonne chance à vous. La cloche retentit, ce qui signifie le début des aventures. On suit passepartout. Allez. Ouais, attends, je sais que tu aimes beaucoup cette combinaison, ouais, mais il va falloir que tu la laisses maintenant, il va falloir que tu l'enlèves. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur donne la possibilité de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot-code du jour, nécessaire pour déclencher la chute du trésor. Gagner le maximum d'indices est d'autant plus important qu'un échange contre des clés manquantes peut s'avérer nécessaire ou stratégique pour l'ouverture de la grille. Bien, Sandra, Mehdi, comment allez-vous? Ben, je sais oui, pas. Oui, bien sûr. Sandra m'a retourné la tête. Je sens que tu regrettes un peu que Sandra ne soit pas en jupe, c'est pas grave. Alors, je vous rappelle le principe de cette aventure. Nouveauté hein, pour cette QV 2006. Le principe est très simple, vous allez donc devoir évoluer tous les deux en parfaite synchronisation, puisqu'il vous faudra, tout au long de ce câble, délier les trois fanions, qui sont pour le moment donc refermés, afin de découvrir les différents chiffres permettant la composition du code ici, dans cette boîte.
se trouvant la cartouche avec l'indice. N'oubliez pas que à chaque fois que, bien entendu, Sandra fera avancer le pied droit, c'est le pied gauche, je vois que tout le monde suit, de Mehdi qui s'actionnera. Donc soyez synchrone au maximum. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais, c'est bon. Bon, avant de partir, je demande à Vincent de suivre Passe-Temps pour la prochaine aventure. Merci Vincent. Allez, à tout à l'heure, Vincent. Attention mes amis. 3, 2, 1, parti. Droite. Allez, on y va. Droite. Tranquillement, on est sûrement. Gauche, droite. Oh, elle est rapide. Donc voilà, là c'est vraiment elle qui a l'idée, tu vois, droite, droite, bateau, gauche. Un peu de ski. Finalement, ça vous dépayse pas tant que droite, ça. Hein. Alors il y a des anti-retours sur les bateaux, un peu les genoux, qui permet d'être stable, si je puis dire, sur ces deux câbles. Premier fanion. Allez, il faut qu'il lâche ses bras. Tu peux défaire ou pas? Il faut qu'il lâche ses bras, qu'il détache la corde. Et peut-être tu peux te placer. Tu peux lâcher l'autre bras. Ravie de te retrouver, Florence. Tu remonteras après. T'es mieux dans cette tenue quand même. Hein. Lâche les deux bras. Voilà. Dès qu'il aura détaché le fanion, bon, après toi, composer le premier numéro. Allez, voilà. Droite. Vas-y avec. Gauche. Vas-y. Droite. Allez, les gars. Gauche. Le 5. Droite. Allez, les coéquipiers. Droite. Allez, c'est parti. C'est un très bon rythme, ça. Gauche. Droite. Allez, allez. Gauche. Droite. Gauche. Allez, encouragez-les, encouragez-les. Ils ont besoin de votre soutien. Droite. Gauche. C'est vraiment ce qui lui permet, si tu veux, d'avancer. Tu vois, il y a des anti-retours. Et comme ça, ça lui évite de reculer. Allez. Super, deuxième fanion, tu détaches bien tu lâches tes deux bras, hein, surtout Mehdi, pour décrocher la corde. Je sais, c'est facile à dire, mais tu t'en sors bien. Allez, Mehdi, vas-y. Allez, les deux bras. Allez. Ah, c'est pour solidarité. Les deux bras, vas-y, vas-y, allez, vas-y, super, super. Ah, solidarité. Allez. Allez, Mehdi. Allez, deuxième numéro. Génial, allez, numéro 2. Droite, relève-toi un peu si tu veux. Gauche. Vite. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Allez, Mehdi. Allez, allez, allez. Allez, allez, un peu. Le planté de bâton, hein. Voilà, c'est ça. C'est comme le ski de fond, si ce n'est que là, c'est pas sur neige, mais au-dessus des tigres. Ça va? Ouais, allez. Allez, dernière ligne droite, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est tout beau. C'est bon, c'est bon. Allez, avance avec tes pieds. C'est bon. Prends les deux mains, les deux. Allez, les deux mains, comme tout à l'heure, c'était... Parfait, numéro 8, allez, on y va maintenant, on perd pas de temps. C'est bon, on continue. Allez, tu les as bien alignés. 5, 2, 5, 2, 8, ça s'ouvre et tu tiens. Voilà, hop. Allez, vite, 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 arrache-le vite. Non, non, super. Parfait. Parfait. Bravo. Essaye de te relever un peu. Félicitations. Vous ça va bien? Vous êtes fiers de vous? Ouais. Bon, ça va, Mehdi? Je sais pas. On perd pas de temps, on file tout de suite à la prochaine aventure. C'est déjà un premier indice, bravo à vous. Bravo! Super! Nous voici sur la passerelle avec Vincent. L'équipe Vincent te rejoint maintenant. Alors, elle n'est pas totalement avec nous, mais tu vois, elle n'est pas très loin. Bien, alors, Angel, Vincent appréhendait beaucoup de devoir se lancer comme ça, du fort à l'élastique. Hein. C'est la première fois? Ouais, c'est la première, ouais. C'est pas franchement ce que j'apprécie. Écoute, on va essayer de faire au mieux, enfin, surtout toi. Je te rappelle, Vincent, que le seul moyen pour récupérer l'indice, eh bien, c'est de sauter. Pourquoi? Parce que c'est à l'élastique que se trouve fixée la cartouche dans laquelle est contenu donc un autre mot qui vous aidera à trouver le mot code. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire d'autre qu'à l'encourager, c'est certain, et puis à le laisser bien se concentrer surtout. Je vais te laisser approcher, Antoine. Vas-y, vas-y, vas-y tranquillement. Anne-Gaëlle, pendant que Vincent est en train de se préparer avec Antoine, je te demanderai d'envoyer Mehdi quand il viendra vous rejoindre à un moment donné pour la prochaine aventure. Pas de problème, je m'en occupe, ça marche. Tu vois la clé, Vincent? Hein? Tu vois le code en bas ou... C'est là, c'est au pied de l'élastique. D'accord. Ah ouais, ok, c'est là, ouais. Ah, bon, voilà. J'ai point de jambe, là. Je vais nous rejoindre. Malheureusement, j'ai dit c'est plutôt pas mal parce que t'as pas besoin d'inventer tes jambes quand tu vas sauter. Pousser un petit coup peut-être. C'est ça. Mais sorti de là, tu sais tomber aussi. Hein. Après, ce seront surtout les bras qui travailleront pour te redresser, tu le sais. Et bravo, hein, tu t'en es bien sorti. Ah, quand même, merci. Avec le sang qui monte un peu à la tête, mais.
Vincent, je ne te donnerai pas de top départ, bien sûr. Pour ce genre d'aventure, c'est le candidat et le candidat seul qui décide du moment où il le fait. Sois assuré de ça, ce n'est donc ni moi ni Antoine qui te sommeront à un moment donné de sauter. Bonne chance, tu vas y arriver mon grand. Merci. Allez. Allez Vincent. Allez toi, s'il te plaît. C'est ce que t'as à faire, hein, c'est bon. Putain, ça me fout ça. Tirer en arrière. Allez, en ski de fond, on a toujours des petits, ouais. Il n'y en a pas, mais là, il va vraiment falloir qu'il se lance. Même que si l'Albert tire... Je peux y aller ? Elle était tout puissant, là, Vincent. Yeah. Oh, il n'a pas hésité. Oh, putain. Allez, allez. Installez-vous déjà au cadenas. Allez, Roland. Installez-vous déjà au cadenas, des clous, des codes. Allez, c'est super. Tu peux être fier de toi, là. Appuie sur tes jambes, remonte. Arrache tout. C'est génial. Putain, il a pas hésité une seule seconde. Pour ceux qui mettent un truc. Fais pas tomber l'indice, hein, Vincent, surtout. Hein. C'est dommage. 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. Ça va ? Comment tu te sens ? Vincent ! Ça j'ai va ? Pas trop réfléchi, hein. T'as pas réfléchi, c'est exactement ce qu'il fallait faire, bravo ! Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. 1, 4, 2, 5, vite. C'est aligné. On aligne bien. Okay. Parfait, et tirez vite, vite la cartouche à la chasse. Bravo, là ! Super, c'est bon ! Super, Vincent, c'est grâce à toi ! Bravo ! Bravo ! Allez, on file tout de suite à la prochaine aventure. Tu nous rejoins ! La garde ? Oui, garde-la, donne la passe partout, sois en bas. Allez, c'est parti. Eh bien voilà, nouvelle épreuve, attention, nous y voilà. Tiens Sandra, tu vas venir me suivre, tu vas t'installer à cette ardoise, ici tu as une petite craie, et il va falloir faire une petite opération. Bien mon cher Bédi, te voici dans une position qui est, je le sais, inconfortable. Ah oui, je ne sais pas si je suis dans une position moins confortable que la précédente, mais en tout cas c'est sûr que je... C'est vrai que pour le moment on t'a guère ménagé. Ouais. Je sais de plus que c'est un peu angoissant. Oui, en effet. Oui. Bon, en tout cas, tu sais que je n'ai pas vraiment le choix. Non, je ne savais pas. Mais non, je n'ai pas le choix. Non. Et toi, tu sais que tu n'avais pas le choix non plus. Ça, oui, je ça pense que c'était une réalité qui t'était apparue quand même. Ouais, bon, très bien. Alors, le principe, tu vas très vite le découvrir par toi-même et de visu, devrais-je plutôt dire, puisque je vais te libérer le visage dans un instant. Auparavant, je m'adresse à l'équipe, Anne-Gaëlle. Oui, Olivier. Il faudrait que Florence, Sandrine et Rodi suivent Passe-Temps pour la prochaine aventure. D'accord, allez. Florence, Sandrine, Rodi, on se retrouve tout à l'heure. Parfait. Sandra, bonne prête chance. À faire un petit tour de calcul. D'accord. Ok. Suis ton instinct et surtout le bon chemin. Bon. C'est pareil, on peut y aller ? C'est bon. Allez, courage. C'est parti. Arrête-toi sur ta droite, Mehdi. À ma droite, sur ma droite. Et regarde à droite. 413. Combien ? 413. Oui, 413. C'est bon. Continue à avancer, c'est bien. Oh, purée, c'est quoi ce truc-là? Oh. C'est là-dessous, là? Allez, faut souffler, vas-y. Ah. Oh, prof. Allez, Mehdi, c'est bien. C'est sur la balle de ping-pong, Mehdi. Il n'y a rien là-dessus. Souffle encore, alors. Hein? Souffle encore. Ah. 875. Okay. Il y a quoi dans ce truc-là? Pourquoi c'est caché, là? Il y a quoi les cocos là-dedans? Fais un calcul intermédiaire surtout, hein. Ne perds pas de temps, commence l'addition.
Bien. Et sous Toto, et comme ça, on est sur. Oh non, allez, troisième compartiment, il y a une grosse plaque là derrière, je crois. Faut que j'ouvre avec vous ça là. Vous ne pas dans l'addition. Allez, avec la bouche. Vous m'entendez là? Ouais, oui, on t'entend. Tu tires. Vas-y, tire sur la vaisselle et tu regardes en l'air, au-dessus de ta tête. Oui, je sais, c'est pas agréable. C'est où là? Allez, vas-y, regarde en l'air, en l'air, en l'air. 397. 397, tu confirmes? 397, 397. 397. Ok, continue, c'est super. Ah non, bon. Si, si, t'as fait le plus dur là. Hein. T'as fait le plus dur, c'est bien, je te sens super bien, Eddy, bravo. Qu'est-ce que je fais? Je dois le boire ça? Tu aspires le liquide, vas-y. Je peux le boire? Tu peux le boire, oui, oui, tu peux le boire. Ah. Ça va te désaltérer, voilà. Allez, bois, bois, bois. Vas-y, aspire, c'est bien. Tu vas voir le code apparaître, hein. Vas-y, continue à boire. Tu arrives à le lire? 206. 206, tu confirmes? Oui, je confirme. Ok, allez, on se dépêche, on se dépêche en addition. Allez, vas-y, dernière ligne droite, là. 206. Tu es presque. Sur les mouches, là, ils vont venir chercher ça sur ma bouche, merde. Bon, et là, après, là. Ah. Allez, vas-y, faut se dépêcher, maintenant. Ça dure encore plus, ça. Allez, vite, 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 vas-y, souffle, souffle, souffle dans le tube, on y va, on y va. Réfléchis pas, tu t'en sors très bien. Oh non, explosion. Oh non. Oh, il va être 548. Déçu, là. 548. Je suis désolée, Mehdi, c'était trop tard. Malheureusement, tu t'en es super bien tiré, c'était parfait. Malheureusement, la cartouche a explosé. Oh. T'inquiète pas, on va te sortir de là. Tu vas nous rejoindre très vite et bravo à toi. Ok bon. T'inquiète pas, rien n'est perdu, on a déjà pas mal d'indices. On va continuer sur cette lancée, okay. Je suis sûre que ça va bien se passer. Bravo à toi. Allez, on va retrouver les autres, passe-partout, on y va. C'est dommage. Je les entends qui arrivent. Vous allez pouvoir être galvanisés par votre équipe. Les voici. Et bravo, Vincent. Merci. Bien. Tu es arrivé. Allez. Parfait. Si Vincent a réussi à sauter, forcément nos amis vont réussir à nager. Je dis forcément, c'est pas gagné pour une raison simple. L'eau est très froide, je vous préviens tout de suite. Deuxièmement, les rochers affleurent. Faites donc bien attention, les courants sont très forts. Si vous voulez pas qu'on finisse l'émission à l'île d'Oléron ou à l'île d'Aix, le plus simple c'est de suivre le bout. Vous m'écoutez les filles? Elles n'en ont rien à faire. Bien. Vincent, au nom de l'amitié qui nous lie, car figurez-vous que Vincent, je l'ai connu dans une autre vie il y a plus de 10 ans. Enfin, près de 10 ans, en jeu sans frontières. Tu vas donc maintenant partir avec Passe-Temps pour le perforat. Allez, une voilà. Nouvelle épreuve. Allez, encore une épreuve, oui. Et puis lui, c'est encore pire, c'est encore pire que le saut à l'élastique. Si dément ce garçon, je l'aurais fait souffrir à chaque fois qu'il m'a vu. Bon, alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Vous allez pouvoir donc descendre jusqu'au bout. Vous avez donc des sacs à votre disposition. Allez jusqu'au radeau, empilez-les, retrouvez le code, vous le criez grâce au porte-voix et votre équipe récupérera donc la cartouche. Bonne chance, allez-y. Allez, on est avec vous. C'est parti. Bien. Ouais, je vous en veux en fait. Ah mince. Ah ouais. Mon capitaine confiance à la première coup. Oula. Allez, c'est parti, allô. Très bien, parfait. Tes amis. Allez Sandrine. Ouais, c'est parti, allez, bonne non. Chance. Allez. Allez, vas-y, vas-y. Allez-y. Allez, Flo, vas-y. Voilà, très bien. J'espère qu'elle sait nager, hein. Ouais, mais oui, la fin, bon. Voilà, de toute façon. Et vous n'oublierez pas hein, le cadenas sur la boîte derrière pour récupérer la cartouche. D'accord. Dites-leur que de faire attention au courant, d'essayer de nager le plus possible sur la gauche pour pas être déporté. Attention au contre-courant. Merci, Mehdi, c'était efficace. Voilà. Allez, allez, allez avec vous, c'est bien. C'est loin, il faut nager, hein. Voilà, allez, allez, allez. C'est là la technique, Rodi. Serrer les sacs, en plus, c'est pas... évident. Ça y est, ils arrivent presque au radeau. Il va falloir remplir les sacs, qu'ils trouvent leur méthode. Peut-être une pyramide humaine, j'en sais rien, qu'ils fassent la courte échelle, mais il faut qu'ils récupèrent ce code qui est dans un petit portefeuille en bois juste au-dessus de leur tête, entre les deux mains. Allez, allez Sandrine. Allez, super. Vas-y, on dit, ouais, on allez, monte tout ce que tu peux. Les sacs. Voilà, allez, c'est bien. Monter les sacs, là. Il faut les empiler. Allez, un troisième indice pour l'association, les allez, amis, on y pense, hein. Voilà, grâce. Trois, deux, et un.
Ça va monter dessus. Dès que tu nous crées le code, tu composes tous les petits numéros et tu récupères la cartouche au plus vite. Allez. Essaye de monter là. Allez-y, montez là. Essaye, Rodi, voilà, c'est bien. Vas-y, Rodi. Tenez-le, les filles. Avec les vagues, c'est quand même pas simple. Tu sautes, tu l'arraches. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu nous le ramènes, l'indice. Au niveau des jambes. Voilà, allez, essayez de remettre un sac. Et avant que ça explose. Vite, avant que ça explose, là. Allez, faut tenter le tout pour le tout, là. Allez, tentez, là. Allez, saute maintenant. Monte et saute. Qu'ils le tiennent, qu'ils le tiennent bien. Tenez-le. Allez, voilà, tenez-lui les jambes. Oui, très bien. Allez, tu l'ouvres, le portefeuille en bois. Vas-y. Et vous avez un porte-voix pour nous crier le code. Attention, écoutez-le bien, écoutez-le bien. J'essaie de descendre, Sandra, pour voir. 13, 48. Allez, c'est parti, on va voir. 13, 48, t'as mis bien. Comme à chaque fois, vite. Ouais, c'est bon. Tire, allez, vas-y. Oh, on l'a. Super. Félicitations. Bon, et je vous rassure, vous ne rentrez pas à la nage, on va venir vous chercher. Vous nous joignez au plus vite et on file au prochain indice. C'est parti. Bravo. Bien, bien, mon petit Vincent, à nous deux. Ne vous laissez pas influencer, ni impressionner, ni quoi que ce soit. L'ivresse des hauteurs, ça va pour vous, pas de problème. Ça va, pour le moment, ouais, on gère bien la situation. Bon, je vous sens j'ai encore pris un peu plus d'hauteur là, avec la vigile. Un petit peu intimidé tout de même. Ah, mais vous êtes impressionnant. Bon, écoutez, je vous propose trois définitions que vous essayez d'associer, de recouper. Écoutez bien. Première définition. Quand mon indice est en bois, il n'est pas dangereux. Allez-y, Vincent. À l'est. À l'est, voyons voir. Oui, allez, allez, encore, encore. Bien. Deuxième définition. Mon indice est parfois à double tranchant. Un ciseau ? Non. Allez, encore. C'est la bonne direction. Un ciseau. Oui. Allez, allez. Troisième définition. On se protège avec la garde de mon indice. On se protège. Allez, les trois ensemble. Ça donne quoi ? Allez, Vincent, vous n'étiez pas loin, pourtant. Bon, écoutez. Je le garde avec moi, mais tout n'est pas encore joué. Vous continuez à réfléchir. Gardez bien les trois définitions en tête, Vincent. Un petit conseil. Et continuez à réfléchir. Allez, merci. Allez. Restez concentrés sur ces trois définitions. Ah, un coucher de soleil sur la Charente-Maritime. Je ne m'en lasse pas. Bien. Je sais ce que pense Rodi. Il se dit décidément, ils ne m'auront rien épargné. Et il n'a pas tort d'ailleurs. À peine sorti de l'eau, te voilà déjà équipé pour faire un petit peu de révision de ski. Hein. On va faire l'exercice des escaliers comme ça, tous les deux. Enfin, tous les deux, surtout toi. Moi, je vais simplement être là pour tourner le top départ. Ton équipe est là. Okay. Ça te rassure ? À fond. Je le vois. Et puis Vincent, viens les rejoindre. Voilà, comme ça, toutes les forces vives de l'équipe sont avec vous. Bonne chance, Rodi. Le principe est donc très simple. Tu progresses sur les deux câbles, sans autre aide, malheureusement pour toi, bien entendu, que tes jambes. Tu arrives donc jusqu'à l'indice. Une fois que tu l'as récupéré, elle n'en a plus qu'à chanter victoire. C'est aussi simple que ça. D'accord. Je t'en prie. Tu peux maintenant prendre ta position. Lève-toi. Tu peux t'aider de ce bout pendant le début de ta progression. Cool. Pas de précipitation. Bonne chance à toi. C'est parti. Allez, Rodi. Dans ton élément, là. Hein. Glisser le ski sur les câbles. Peut-être sans lever le pied, en glissant, c'est peut-être plus... Ouais, écoute, Sandra, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Tu sais, t'as un très bon équilibre, là. C'est bien. C'est chaud. Allez, Rodi. Ça te change de d'habitude, là. Hein. Les skis, généralement, tu les utilises pas de cette manière-là. Ça. Vas-y, stabilise-toi bien. Dans les jambes. Fixe un point.
Redresse le bassin, redresse le bassin. T'avais un cordage pour t'aider au début, mais t'as oublié de le prendre. T'inquiète pas, tout va bien. Allez, stabilise-toi bien. Allez, Rodi. Allez, regarde, touche ton cordage. Ça bouge trop. Non. Allez, on verra bien. Prends ton rythme, trouve ton rythme, voilà. Et puis tu vas voir, ça va aller tranquillement. Tu vas commencer à t'habituer. C'est pas du ski, c'est des claquettes, ça. Prends la... Non, un peu en avant, un peu en avant, un peu en avant. Fléchis bien tes jambes, je sais pas moi qui vais te la prendre. Hein. Position du skieur. Voilà, super. Tu vois, un peu plus en avant, tu es peut-être un peu plus tard. Ah, donne-moi du dur. Bon, reprends-toi. Oh, putain. Allez, faut continuer à avancer, Rodi. Vincent, comment ça s'est passé pour toi en Vigie? Ben, je me rappelle que de deux, toi. Voilà. Que de deux phrases. Allez, redis, Rodi. Voilà. Non, j'ai pas eu l'indice. Essaye de basculer un petit peu. Allez, vas-y. Reprends bien ton équilibre. Plie un peu les jambes. Ah, putain. Va un petit peu sur l'avant, comme si tu voulais monter en pointe de pied. Oh là 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 là. Là, ça va être difficile de te remettre en position. Hein. Bah, tente-le, sait-on jamais. Allez, tente-le, on sait jamais. Essaye de remonter. Là, on est mal. Hein. Vas-y, essaye. Allez, Rodi, allez. Vas-y, maintenant. Allez. C'est les grands battements de la danseuse. Hein. Allez, Rodi, allez. Allez. Oui. Ouais. Ah, vas-y, tire sur tes bras. Allez, Rodi, allez. Voilà, c'était bien, c'est rien. Ouais. En passant par le milieu. Ah, ouais, entre les deux. Bon, ok, bel effort, Rodi, c'était bien, mais la cartouche vient d'exploser. C'est vrai que t'avais pris un petit peu de retard là dès le début. Écoute, tu t'en es bien sorti quand même, surtout après la nage. Hein. T'as quand même enquillé, toi, rapidement. Donc t'as pas laissé le temps de souffler. Bravo à toi, on va te faire redescendre. Et puis nous, on va rester sur place. La cloche vient de sonner, c'est la fin des aventures, on va se diriger au conseil. On n'a que trois. Vous avez trois indices, mais cette clé, c'est super bien. Trois indices, vous pouvez quand même trouver. Avec trois, on peut déjà trouver. On a le temps, Non, la cloche vient de sonner. Vincent, continue à réfléchir, le perforase. On verra peut-être avec les autres mots, si ça revient. Oui, ne vous inquiétez pas, Rodi, tu nous rejoins dès que tu peux, quand tu seras dans une position plus confortable, et puis on va filer au conseil. On n'a pas le temps, on file au conseil, suivez passe-partout. Dans l'autre sens, voilà. Un point encombrant, là. Et puis l'autre, c'était un truc d'une armure qui protège de l'armure. Grâce au cristal récupéré dans la salle des empreintes, les candidats entrent dans le conseil pour affronter et défier les maîtres des ténèbres. Gagner des duels est indispensable pour récupérer le temps si précieux à la collecte des boyards. Messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte cette nouvelle séance du conseil. Je vous rappelle que les candidats qui pénètrent ici n'ont pour seule intention que de récupérer du temps supplémentaire dans la salle du trésor. À vous devrez donc au mieux dans les intérêts du fort. Bien. Voyons ce que vous avez préparé pour ce soir. Ah oui. Eh bien, nous jugerons sur pièce, messieurs. Alors attention, à partir de maintenant, vous n'avez que quelques minutes pour gagner un maximum de secondes. Je vous sens un peu perplexe, je vous explique. De l'autre côté de cette porte se trouvent les maîtres des ténèbres. Vous allez devoir les affronter pour gagner du temps supplémentaire dans la salle du trésor. Et autant vous dire que le temps ici, c'est des boyards. Ah, désolé, Rodi, il va falloir enchaîner assez rapidement. Passe-Muraille, je te laisse leur remettre le cristal que vous avez remporté durant le passage grâce à votre scaphandrier. Je te laisse l'insérer entre les mains de la statue pour ouvrir la porte du conseil. Je demande Rodi. Je te laisse y aller, cale-toi bien dans le fond de la porte. Je peux pas aller plus loin, moi, donc je vous souhaite bonne chance. Je croise les doigts pour vous. Et je vous retrouve à la sortie.
Rodi, sois le bienvenu au conseil. Fais un pas. Je te précise que pour le moment, 3 minutes de temps vous sont garanties dans la salle du trésor. Chaque duel gagné, ce sera à chaque fois 15 secondes supplémentaires. Bonne chance à toi. Approche. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Rodi, voici un billot de bois. À tour de rôle, tu commenceras, le maître suivra. Vous allez tenter d'enfoncer ce clou. Le premier de vous qui l'enfonce totalement aura gagné la manche, ce duel étant deux manches gagnantes. Bonne chance, Rodi. Jouez. Possible. Rodi, reste bien concentré. Deuxième essai. Un partout. Tout se joue sur ce dernier clou. Et tâchez de viser le clou. Ce duel est perdu, Rodi. Tu t'es bien débrouillé malgré tout. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil par ici. Dis-moi que t'as gagné 15 secondes de plus. Ah non. Non ? Ah non, ah, tu redescends. Chance. Non, je peux pas. Sur quoi t'es tombé ? Les clous. Les clous ? Ouais, il y a plein de fois que j'ai loupé le clou. Mais il s'est passé quoi ? Bah, rien. J'ai pas la force à d'autres. Bon, écoute. J'espère que les autres vont faire mieux. T'inquiète pas. Putain, je reste sur le sujet. Je demande Sandrine. Sandrine, sois la bienvenue au conseil. Pour le moment, aucun duel n'a été remporté. 15 secondes supplémentaires peut-être pour ton équipe. Approche. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Voici Sandrine, pour toi et pour le maître, le même nombre de morceaux de bois. L'empilage que vous allez constituer sera gagné pour celui qui obligera l'autre à la faute en le faisant tomber. Bonne chance à vous deux, c'est toi qui commence. Jouez.
ténèbres à vouloir faire le malin, forcément, un jour ou l'autre, on perd. Bravo, Sandrine. Approche-toi et empare-toi des 15 secondes de celle-ci. Place-les dans la colonne du temps et tu peux maintenant quitter le conseil par ici. Ok, merci. Maître des ténèbres, faites pivoter la porte, s'il vous plaît. Alors, Sandrine, yes, c'est ici. 15 secondes de plus. Ouais. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Voici des cartes face à toi et au maître. Chacun à tour de rôle en tirerait une, jusqu'à temps que l'un ou l'autre ait reconstitué le mot boyard. Jouez, bonne chance. C'est toi qui commence. Utilise son joker, il en a le droit. Et toi, tu replaces le Y sur le Y que tu avais déjà tiré. Deux lettres, comme pour le maître. Plus qu'une, et tu auras remporté ce duel, Sandra. Semble avoir disparu. Il vous manque à l'un comme à l'autre une lettre. Le Y pour le maître, le D toujours pour toi. Fais le bon choix, Sandra. Passer sous le nez, peut-être y aurait-il encore un. Tente ta chance. Oui, très bien. Tu utilises ton joker, tu as donc reconstitué le mot boyard. Parfait. Approche-toi, empare-toi de ces 15 secondes de temps supplémentaires et verse-les dans les colonnes du temps. Très bien, tu peux quitter le conseil par ici. Maître, faites pivoter la porte, s'il vous plaît. Alors Sandra, c'est des ténèbres. Oui, tu l'as fait. En fait, ces cartes boyard à écrire, et puis en fait, j'ai eu la chance à la fin de tirer le joker et je l'ai trouvé. Très bien, très bien. Donc on en est à 3 minutes 30 dans la salle du trésor. C'est bien, c'est bien. Je demande Vincent. Vincent, sois le bienvenu au conseil, avance d'un pas. Jusqu'à présent, 2 duels ont été remportés, ce qui signifie 30 secondes supplémentaires sur les 3 minutes qui vous sont de toute façon garanties en salle du trésor. Approche, peut-être 15 secondes de plus grâce à toi.
Maître des ténèbres, je demande le jeu. Christophe, le principe de ce duel est simple. Voici une combinaison de billes de couleurs rouge, blanche et noire. Mémorise-les de droite à gauche, ainsi que le maître. Dans quelques secondes, je masquerai cette combinaison. Vous la recomposerez chacun de votre côté. Le premier qui fera une erreur, bien sûr, aura perdu le duel. Jouez. Vous n'avez qu'à copier, ce sera plus simple. C'est bon, maître, une tasse de café? Vérifiez. Vous me proposez le rouge. Vous avez raison. Le blanc. Vous avez raison. Le noir. Raison. Rouge, blanc, le blanc, raison, noir, juste, rouge, raison, noir, raison, le blanc, raison, le rouge, raison, noir, raison, le blanc, raison. Dans la mesure où vous avez tous les deux eu raison, tu as donc remporté ce duel. Viens, approche-toi, tu peux t'emparer du temps. Vincent, et verse-la dans la colonne du temps. Très bien. Tu peux quitter le conseil par ici. Messieurs, la séance du conseil est close. Vous êtes surpris? Oui? Surpris. Un peu de lumière dans ton ténèbre. C'est surprenant, bonsoir. Alors, Vincent, c'est bon. C'est vrai? T'en es pas perdu! Alors, vous, 7 clés, 3 indices, 3,45 dans la salle du trésor, c'est avec ça. Je trouve pas le mot. Vous ne ramenez pas des boyards pour l'association. C'était quoi, toi, l'épreuve? C'était bleu, blanc, rouge. Quoi, c'est bleu. Il n'y a pas de bleu, il y a des noirs, mais c'est pour ma France. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, bah, je vous propose d'aller directement à la salle du trésor, dernière ligne droite. Ça va le faire. Allez, on y croise, merci. Pour entrer dans la salle du trésor, afin d'écrire le mot-code et provoquer la chute du trésor, il faut en ouvrir l'accès. C'est le nombre de clés placées dans les serrures qui détermine la hauteur de cet accès. Mais attention, si des candidats non vigilants ne ressortent pas avant sa fermeture, ils se retrouvent enfermés. Une herse bloque alors la sortie des tigres, mais provoque la perte totale et définitive de tous les boyards amassés. Venez, venez, approchez de la grille de la salle du trésor. Venez. Bien, allez-y, allez-y, allez-y. Présentez-vous là. Bon, ben dites-moi, un très très beau parcours, hein, Gaëlle. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue que vous nous avez bluffé, sincèrement. Vous avez donc, je le rappelle, 7 clés à votre actif. Passe-partout, fais la distribution, s'il te plaît, de manière à pouvoir déverrouiller la porte de la salle du trésor. Et puis, en termes d'indices, plusieurs cartouches. Combien en total? 4? 3 indices. 3 indices. 3 indices. Ah oui, puisque la vigie n'a pas été trouvé par Vincent. Mais tu avais en tête un petit peu ce que le père Fourat t'avait dit. Mais je sais pas si tu en avais fait état à tes camarades ou pas. Ouais, j'en ai fait état, mais ça peut nous induire en erreur, on va le garder. D'accord, donc préférez oublier ça. Ouais. Parfait. Placez les clés maintenant, s'il vous plaît, dans les serrures. Correspondantes, allez-y. Très bien. Cette clé, vous le savez, c'est le maximum que vous aviez à trouver. Ce qui veut dire qu'en termes de stratégie, ma foi, vous n'avez pas beaucoup de questions à vous poser et vous êtes verni. Anne-Gaëlle, je pèse mes mots. C'est vrai que, simplement, juste pour que vous compreniez bien, si vous n'aviez eu que 5 clés, regardez, tiens, laisse-toi Florence, la porte ne se serait ouverte que jusqu'ici. Donc imaginez ramener les boyards comme ça, c'est quand même pas évident. 6 clés là. Là, le problème ne se pose pas pour vous. Vous avez vraiment très bien joué. Cette clé, la porte va s'ouvrir intégralement. Maintenant, à vous de trouver le mot-code. Hein. On compte sur vous, il faut bien jouer jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous avez dans le conseil récupéré 45 secondes supplémentaires aux 3 minutes qui vous étaient garanties. 3 minutes 45 secondes, c'est très beau. Ne les gaspillez pas.
C'est tout le mal que je vous souhaite. Bonne chance à vous. Attention, je valide maintenant les 7 clés dans la grille. Tenez-vous prêts. Allez, c'est parti. Trouvez le local. Les indices, on fait au plus vite. 3 minutes 45, ça va quand même très vite. Donc on décapsule, on sort les petits papiers. Et on y va, on réfléchit très très vite. Tu ouvres. Vitesse, premier mot. Donne-moi. Vitesse, humour. Qu'est-ce que ça vous évoque? Réfléchissez très très vite. Hein. Tu vois? Heure. Vitesse, humour, heure. Je m'en sacrifie. Allez, oui. Perdez pas de temps, t'as raison, vas-y. On y va, sacrifice. Vitesse. Voilà. Réfléchissez bien. Hein. Vitesse. Humour, heure et vitesse. À quoi ça vous fait penser? Quoi les difficultés hein? Pied. Pied. Pied, vitesse, heure, humour. Si vous avez un doute, encore un sacrifice. Hein. Allez, essayez d'associer des mots. Je vais faire la corrélation entre tout ça. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Heure, vitesse, quoi les difficultés? Humour et pied. Allez, 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 allez. Aiguille, aiguille. Non humour. L'aiguille pour la ballerine. Non, c'est quoi? Ballerine, pied, heure, vitesse. Pointe. Pointe, 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 pointe de vitesse. Allez, pointe, c'est pour attends, on dit, on dit, on dit. P-O-I-N. Répartissez-vous. Et puis pour le thriller, vous avez des boulets. Oh, j'espère que ça va marcher. Allez, croisons les doigts. T'as le P. Le I. Sur le T. J'ai le T. Non, mais toi, tu avais le I. Et moi, N. N, T et O. Regardez bien face à vous. Félindra, tête de tigre. Mettez-en déjà de côté, ce sera toujours ça de gagner pour Solidarité Défense. On y va, on y va, on y va. Allez, 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 super, attention dans les escaliers. Allez, faites un premier, allez. Super, c'est bien, c'est bien. Allez, 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 on y retourne. Allez, on retourne, pas trop perdre. On y va. Allez, Sandra, Vincent, faites des allers-retours. Pour l'association, on y va. Attention, grimpez pas, ça fait pas mal. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Attention, attention, il faut revenir maintenant, il faut revenir. Sandra, Sandra, faut revenir. Allez, 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 allez. Non, non, vous n'avez plus le temps, faut revenir, vous allez vous retrouver piégé. Très bien. Ouais. Présentez-vous à la pesée. Présentez-vous à la pesée. Allez-y, allez-y. Ouais, c'est allez-y, allez vous mettre à la pesée. Je me suis dit, j'étais coincée. Et au début, je passais la main dans le petit trou. Bien. Eh ben, dis quoi. Mais il fait peur à un moment donné. Hein. Ouais, ouais, vous avez besoin de nombreux indices et il faut dire que c'était pas simple pour trouver donc le mot code. Pointe. Revenons d'ailleurs sur ce mot code avec d'abord l'heure, bien sûr pour l'heure de pointe qui est le moment où l'activité bat son plein, humour pour la pointe d'humour qui est un trait d'esprit et qui n'est pas très étranger du fort, la vitesse pour la vitesse de pointe qui est la vitesse la plus élevée, pied pour marcher sur la pointe des pieds et ballerine, une ballerine est un chausson de danse utilisé pour faire des pointes. En fait c'était épée, la pointe de l'épée. On le doutait, mais on a pas osé. Puis après, je l'ai oublié, moi, carrément. Ça t'a donné confirmation en même temps. Ça, pour c'était la suite, donc le mot envie. J'ai oublié. Non, c'était bien. Bravo. Nous voyons maintenant ce que cela a rapporté pour l'association. Passe-partout, passe-temps et passe-muraille nous présente le chaudron. Ça m'a l'air lourd. T'es sûr qu'il en reste pas une, là? Non. Bon.
19 840 €. C'est joli ça. Hein. Très très beau score. Vraiment, alors un montant, je suppose, qui viendra à point nommé pour l'association que vous défendiez. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Vous serez toujours les bienvenus sur le fort. Au revoir, Angel. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Bon, félicitations à vous. Vous êtes vraiment très très bien défendu. Ça n'a pas toujours été facile parce que vous avez eu des épreuves extrêmement périlleuses, mais en bon champion que vous êtes, tout s'est très très bien passé. Donc vraiment bravo. Je vais vous laisser repartir avec tous ces boyards. C'est bien joué. Ce serait dommage de les oublier là. J'aime bien quand c'est lourd comme ça, ça me plaît. Hop, voilà. Donc 19 888 €, c'est une très belle somme pour Solidarité Défense. Mehdi, tu peux nous en dire un petit mot ? Ben voilà, c'est une association solidaire, comme toutes les personnes qui étaient là ce soir parmi nous, qui se sont engagées donc, dans ce jeu, et au profit donc, de personnes qui, elles aussi, se sont engagées pour nous tous, ceux qui sont ici, ceux qui sont derrière leur écran, voilà, pour faire avancer la paix. Et puis maintenant, on va penser aussi à ces familles, justement, qui ont connu des moments un peu difficiles. Et donc, nous, on est venus se battre pour toutes ces personnes ce soir, et voilà, on est très heureuses. Je sais que vous vous êtes bien battus, bravo à vous, bravo pour votre implication, votre générosité. Pour dire au revoir à la caméra, c'est là que ça se passe. En attendant, je me permets de vous rappeler, chez vous avez la possibilité de faire monter les enchères et cette somme, cette cagnotte, en tentant de remporter ce t-shirt dédicacé par toute l'équipe. Donc surtout, n'hésitez pas, www.france2.fr. Ciao à tous, excellente fin de soirée. Bye bye et à la semaine prochaine. Salut. Transformer 2 heures d'efforts en milliers de boyards, c'est ça aussi la magie du fort. À bientôt pour de nouvelles aventures! Toujours plus loin! Toujours plus haut! Toujours plus fort! Sur le fort, de quoi Omar et Fred ont-ils peur? Du vide, des bêtes ou du père Fourin? Réponse dans la prochaine émission où ils seront soutenus par leurs amis Cut Killer, Alison Paradis, Oriane Bonduel et Alexandre Alfonsi. Du rire garanti.